Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4, comme vous avez pu le remarquer. Donc on va recommencer le solo en difficile, parce qu'en fait j'avais fait le solo et j'ai eu des problèmes avec ma voix et tout, c'était vraiment une galère, donc on recommence, c'est parti. Donc qu'est-ce que je peux dire déjà sur ce Battlefield? Bah, tout simplement, j'ai eu le temps d'y jouer, j'ai beaucoup joué au multi, et le multi, bah vraiment, j'adore. Comme je l'avais dit lors de l'essai de la bêta, des jeux de terre, ce qui est une petite cinématique de début. Vous êtes coincé, sergent Ayresh. La pire chose à faire dans cette situation, c'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Pas qu'à quoi j'ai siège, on s'enfonce toujours, merde. On va vous tirer de. C'est compris? Comment? Porte croisée. Merde. C'était pas censé finir comme ça. Riker, prends mon arme. C'est quoi ces conneries de... C'est quoi ces conneries? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une pinte. Tire! Négatif, fais pas ça! Vite, Riker, tire dans la vitre! C'est un ordre! Putain, fais pas ça, Riker! Foutez le camp! Barrez-vous! Barrez-vous! N'importe quoi, mec, fais pas ça! Tire dans la vitre ou vous allez tous y rester! Oui, donc le jeu tournant normal, en normal sur mon PC. Donc vous n'aurez pas des graphismes exceptionnels, mais je peux vous dire que les graphismes sont largement du niveau de Battlefield. Alors juste en passant, regardez-moi ça, la texture, c'est vraiment magnifique. Voilà, ils ont mis des lumières sûrement pour pas qu'on s'arrête un peu trop. Alors à cet endroit il y avait un truc à récupérer, je me souviens plus trop où c'était quoi. C'est de l'eau? À cet endroit ou à celui-là d'endroit, je me souviens plus bien. Tu les as semés? Wow. Du calme, Pac. T'étais passé où? Quand le transfert a mal tourné, je suis ouais, venu ici. Des armes. Des Russes, hein? Des pros, un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi, t'as le renseignement? Ouais, ouais, je l'ai. Bien joué. Merde, il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish? Il est pas avec vous? Je lève le silence radio. Tombstone 3 de Tombstone Leader, votre position? Tombstone Leader en approche par le nord. Ça chauffe par ici. Je vais me replier, faut me couvrir. Bien reçu, il est chaud de coup. Riker. Alors là, j'avais débloqué deux armes. J'ai débloqué. Du moins, j'ai débloqué plusieurs armes, donc vous pouvez voir là. Je garde celle-ci. Et j'avais pris celle-là tout à l'heure, donc je la prendrai au moment où j'aurai débloqué normalement. Il y en a d'autres, vous les voyez? Je tire, attention!
ici! Ils sont tous crevés! On les a tous eus! C'est bon! Prendre des munitions. Tout va bien, Irish. Oui, donc regardez quand même. Comment c'est vraiment bien foutu, hein, que ce soit. C'est vraiment impressionnant. Tombstone, Fort 13, ici Tombstone, leader. On a le paquet, mais ça s'agit ici. On rejoint le point d'extraction. Bien reçu, Tombstone. Hélico en route. Rejoignez la position. Terminé. En dessous, dans l'atrium. Ils sont partis. On va les buter ensemble. Ouais, je trouve vraiment que... Tout le monde va bien ? C'est vraiment bien fait, il n'y a rien à dire. D'accord, fais le chanter. Attention, ça va sauter ! Génial, allons-y. Tombstone leader, ici Firebird 2-1, on approche. Quel décor. Regardez ce décor. Faites monter vos gars sur le toit, ne faites pas attendre. Regardez si c'est beau un peu. Regardez, moi franchement j'adore. Regardez. Tu balais la zone, Riker. Voilà le bâtiment. Pareil, regardez les oiseaux. Ouais, les deux cheminées, pile en face. Tu vois ça, Riker? Alors. C'était là que j'avais débloqué le sniper. Je l'ai mis en seconde arme. Ouais, là, gros fail. Pas grave. Engagé.
Ah bah, y'a plus de roues. Prêt pour les cibles. Oh merde. Pardon. Prêt pour les cibles. Ouais, je les vois. C'est bon, Wrecker ? On aperçoit des sources de charge sur la crête de charge. On y est presque! Restez concentrés! Fais gaffe vraiment à tout là.
Et à chercher des munitions. Alors j'ai avancé le bus pour que ça me couvre quand même. Pouvoir se cacher dedans, du moins derrière. Pouvoir se cacher derrière, c'est pas mal. Voilà. Plus qu'à les attendre. Ce vieux bâtiment pourri me file la trouille. Ouais. Ça me rappelle chez moi. C'est ça le meilleur moyen de monter? C'est le plus rapide, on n'a pas le temps de chercher autre chose. Attendez de voir la vue de la terrasse. Je m'attends à être soufflé. La ferme, ouvrez l'œil. Tombstone Leader, spot sur le radar, aérien hostile. Ah merde, compris. Allez, attends. D'accord, et bah en fait je vais continuer comme je faisais avant, donc c'est-à-dire je courais comme un gros dératé. Let's go. Voilà. Tombstone Leader, où êtes-vous? On va monter. Allez, Rocky!
Ah, franchement, c'est une tuerie. Je l'ai fait cette mission 3 fois et elle est toujours aussi. Franchement, va, j'aime toujours aussi pas bien la mission. Regardez, sur la voiture c'est marqué Baku. Et la mission, le nom de la mission c'est Baku. Regardez à droite. Regardez bien à droite. À droite, il y a le nom de chaque passager du véhicule. Bah décidément là. Regardez l'eau sur mon pare-brise. Je l'ai raté. Oh purée. Je vais essayer de pas le recommencer 3 fois parce que c'est quand même agaçant. Là, je l'ai eu. Ouais. Tombstone a récupéré les renseignements. Et en cas de coup d'état militaire chinois, les Russes soutiendraient l'amiral Chang. Ça confirme le rapport de notre contact en Chine. Alors, le sergent Dunn est mort pour une information qu'on avait déjà. Il y a des émeutes dans les rues de Shanghai, capitaine, et les Russes sont impliqués. Il fallait qu'on en soit sûr. Boucler Suez était suffisamment délicat comme ça.
Au moindre faux pas, c'est la guerre. Vous avez vos ordres, capitaine. Oui, monsieur. Faire route vers la côte est de la Chine. Et ben voilà. Donc normalement, c'est la fin de mission, oui. Et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.